Mais les gens là, ils grèvent avec nous. Hein. Il va leur demander combien ils ont mis ici. Pourquoi on n'a pas demandé? Les habitants de Tchaourou, au nord Bénin, n'oublieront certainement pas de sitôt, ce lundi 20 novembre 2017, déclaré jour de grève. Cela n'était pas arrivé depuis 25 ans que le marché à bétail existe. Donc c'est les commerçants là qui ont négocié avec les éleveurs. S'ils viennent au marché, là, ils n'ont pas payé leur prix ici. Les commerçants n'ont pas payé. La crise est née de la construction et de la rénovation du marché à bétail de Tchaourou, mais surtout de la mise en place par le programme de développement des infrastructures économiques et marchandes, le PDM, d'un nouveau mode de gestion du marché en vue d'assurer la pérennité des infrastructures et de faire rentrer plus d'argent dans les caisses de la mairie pour lui permettre d'investir plus dans la commune. Cette révolution ne fait pas l'affaire des Dilani et des chargeurs, dont les gains jugés élevés ont été revus à la baisse, soit un manque à gagner de 200 francs pour les Dilani et 150 francs pour les chargeurs, sur les 500 francs que chacun empochait par tête de bétail vendu, hissé dans les camions. Les réformes là, ça amène toujours des réticences. Parce que beaucoup ne sont pas prêts à lâcher les acquis, même si c'était des acquis illégaux. Aux commandes du marché à bétail de Tchaourou depuis sa création il y a 25 ans, l'ancien président s'est résigné à céder son poste en 2017 à l'issue d'un processus électoral régulier supervisé par la mairie. La nouvelle équipe dirigée par un comité de 12 membres dont 3 femmes s'est engagée à introduire plus de transparence dans la gestion du marché. Le PDM ou Programme de développement des infrastructures économiques et marchandes intervient au nord Bénin, où il a construit et rénové 3 marchés à bétail, dont celui de Tchaourou, un marché international et 2 magasins multifonctionnels en matériaux locaux, avec des artisans locaux pour impulser le développement local, porté par les communes, dans les départements de Borgou et de Lalibori. Financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par la coopération suisse, le PDM a été exécuté de 2014 à 2018 par le consortium SNV, Swiss Contact et APIC avec l'appui des organisations socio-professionnelles et des services de l'État. La mise en œuvre d'un dispositif performant de gestion du marché à bétail de Tchaourou va se faire en 3 étapes. 1. L'équipe du PDM accompagne la commune et les usagers dans la définition des modes de gestion de l'infrastructure à travers une étude et des réunions de concertation entre les acteurs. 2. La formalisation des modes de gestion. Elle se fait à travers un appui institutionnel au comité de gestion du marché à bétail, ainsi que l'organisation d'ateliers de tarification, la signature de la convention de délégation de la gestion du marché au comité de gestion par la mairie, l'élaboration d'outils pour assurer le suivi de la gestion du marché et valider les décisions du comité de gestion par la mairie et les organisations socio-professionnelles. 3. L'appui à la mise en œuvre des modes de gestion retenus à travers le renforcement des capacités des organisations socio-professionnelles et du comité de gestion, sans oublier, dans un avenir proche, des séances semestrielles de reddition des comptes. On a commencé par travailler dans le marché et vraiment, tout le monde, les gens ont apprécié le travail que nous faisons. On dirait même qu'on a mis quelque chose dans le marché là qui a changé systématiquement le système du marché. Le rendement, ça va, ça allait. On fait le versement à la mairie. Donc, et c'est de là que petit à petit, on a dit donc. Maintenant là, notre marché était un marché traditionnel. Ça serait un marché autogéré. On observe le même phénomène sur tous les sites avec un accroissement des revenus des usagers plus significatif chez les hommes que les femmes. Les recettes du marché international de Malanville explosent littéralement, passant de 2 millions à 10 millions par mois.
Le marché à bétail de Kalalé enregistre la même progression avec des gains qui passent de 14 à 23 millions sur l'année. 85% des usagers se montrent satisfaits de l'amélioration du chiffre d'affaires des infrastructures marchandes. Retour à Tchaourou, où en l'espace de 7 mois, les recettes du marché explosent. Si avant la réforme, elles se montaient à 600 000 francs en moyenne par mois, après la réforme, elles aussi entre 2 et 3 millions par mois. Le PDM, ça nous a donné une bouffée d'oxygène. Le PDM là, a apporté un juste remède à une maladie qui était devenue une maladie gangrénée. Il s'agit manifestement d'un remède très efficace mais aux effets indésirables comme le prouve la grève qui paralyse le marché et avec lui, le nouveau bureau, accusé à son tour par ses détracteurs de détournement de fonds. Pour débloquer la situation, les auteurs du coup de force dictent leurs conditions reprises par un conseiller de la cour royale en présence du conseil municipal et des membres du bureau entrant du comité de gestion. Ils ont accepté de ramener tous les vendeurs de bœufs dans le marché de Tchaourou. Ils ont accepté que le bureau qui existait, qui dirigeait le marché de bétail de Tchaourou reste, mais ne fonctionne pas pour la période de 2 semaines. Ils ont demandé à ce que le maire, la cour royale, les sages désignent des gens pour s'occuper de la recette du marché prochain. L'histoire du marché à bétail de Tchaourou démontre qu'un processus d'autogestion, aussi participatif soit-il, doit s'entourer d'énormément de précautions. Il doit privilégier le rythme des acteurs et pas l'agenda très serré du projet. Il doit prendre la réelle mesure des forces en présence et surtout faire la part des choses entre suivisme et réelle adhésion des acteurs au processus. Le marché à bétail de Tchaourou, par exemple, est un marché d'éleveurs approvisionné par les jeunes bouviers qui rabattent les animaux pour l'achalander. Ils sont les meneurs de la contestation, inspirés en réalité par les Dilani et les chargeurs. Les transhumants, c'est eux qui vont faire perdre les bêtes, c'est eux qui ramènent les peules. Ceux qui vont dans les différents marchés, Wesser, Tui, ils vont jusqu'à Glasgow, ramener des peules pour venir vendre les terres de bœufs au marché de Tchaourou. Ces jeunes-là, tout ce qu'ils demandent, nous leur avons dit que nous allons regarder ça à la loupe. Nous avons examiné, nous avons discuté, nous avons trouvé un consensus. Le consensus, c'est qu'il faut ramener la balle à terre, que le marché revienne. Si le marché disparaît, ça fera... Ce sera la faute de qui? Qui sera le perdant? Qui sera le gagnant? Ce n'est pas seulement le maire qui a des recettes au niveau du marché. Et les bonnes femmes qui vont vendre de l'eau, et ceux qui vendent de la tomate, et ceux qui vendent de la corde, et ceux qui vendent de l'igname, et ceux qui vendent les poulets, et ceux qui vendent les moutons, et ceux qui vendent les cabris, les pintades. Nous avons toutes sortes de bêtes au niveau du marché. La volaille, les bovins. Nous avons dit, mais en dehors de ça, et les achats que les peuples effectuent dans le marché, ils achètent le maïs, ils achètent le mil, ils achètent le gari, ils achètent le riz. S'ils s'en vont, s'ils disparaissent, mais la population s'ouvrira. Les recettes vont s'aménager. Il faut espérer que ce scénario catastrophe ne se réalise pas et que la sagesse et l'intérêt général l'emportent sur les intérêts corporatistes.